je vous pose des questions, ok, et vous commencez pas dire de conneries, par moi, présidente. D'accord? Oui. Première question, vous êtes prête? Oui, allez-y. Vous, présidente des Césars, à quel acteur ou actrice remettriez-vous un César pour l'ensemble de son œuvre? À un vivant. Non, alors moi, déjà, président. Moi, présidente, je remettrais à quelqu'un de vivant ou pas encore malade. Oui. Voilà. Parce que souvent, non, mais moi, je l'avais eu et je crois que j'étais la première à avoir un César, ouais, ce qu'on appelle d'honneur. Et il y a un bail. Et mes copains, oui, il y a déjà un bail. Et mes copains m'ont demandé, mais qu'est-ce qu'il y a, t'es malade? Parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'ils donnaient des Césars à des acteurs formidables, ouais, mais qui étaient. À la fin. Ouais. À la fin, et ce qui est vraiment dommage. Et dans vos potes, il n'y a pas un César que vous remettriez là? Non, mais j'y vais pas trop, César. Ça, ouais, je vais vous dire, c'est pas mon truc. Mais c'est bien d'en recevoir, hein. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, Josiane, autre question. D'ailleurs, vous votez pour les Césars, un peu par hasard, je crois. Moi, présidente, je vote pour les copains. Mais je pense qu'il fait pareil, hein. Oui. Le vrai. Mais oui, oui. Voilà. Vous, Josiane, présidente du PSG, auriez-vous viré Zlatan après ses propos sur la France, pays de merde? Tout dépend de ce que me dira. Moi, présidente. Moi, présidente, j'aurais fait ce que m'auraient dit les Qataris. Non. Et en même temps, c'est tout. C'est une réponse intelligente. Ouais. Alors, vous, présidente de Radio France, auriez-vous fait 100 000 euros de travaux dans votre nouveau bureau? Oui, moi, présidente, j'aurais fait 100 000 euros de travaux. Parce que là, non, bah, c'est bien évident, parce que certainement, oui, ça devait être un taudis. Et qu'on ne peut pas, quand on est présidente de Radio France, il faut quand même avoir un peu de. Je ne sais pas, oui, on soit des gens. Et tout. Aubergine, voilà, c'est, pas... non, c'est normal. Josiane, vous, présidente de l'UMP, donneriez-vous des conférences au Qatar? Bah oui. Référence. Alors, moi, présidente de l'UMP, de l'UMM, oui, parce qu'ils ont changé de nom, ils n'ont pas encore changé de nom. Hein. Non, pas encore. Moi, encore. Présidente de l'UMP, oui, je donnerais des conférences au Qatar, parce que ça paye bien. Voilà. Je crois que c'est la première fois. Télévision pour vous entendre dire, moi, présidente de l'UMP. Oui, oui. Ça vous va pas mal, hein, non, pas du tout. Ouais. On est dans les scies, donc ça va. Ouais.